Salut YouTube, comment vas-tu? J'espère que tu es heureux de nous retrouver après cet épisode qui était dédié un petit peu à rappeler les choses auprès de binômes fort peu agréables, de petits coquinous qui nous ont donné du fil à retordre et oh, des araignées et des terres crapes. Du coup, c'était un épisode qui était, ma foi, fort embêtant. Que puis-je faire pour toi? Est-ce que j'ai mal à juger mon tir? Oui. Du coup, là, on va continuer notre exploration de la sphère planaire dans laquelle nous sommes enfermés. Grâce, qui est un peu la quête personnelle de Valigar. Et qui devrait nous occuper encore quelques temps. D'habitude, du côté des terres carpes, il y a des pièges d'enchevêtrement à la con. Oui. Mais là, non. Allons-y. Manuel de fabrication des golems, une gemme et du charbon. Alors, l'avoque, maître de la sphère. Parce que l'avoque, donc le nécromancien, l'ancêtre de Valigar qui nous accompagne. Bon, du charbon, c'est pas ça qui nous manque, c'est bien. Nous sommes trop loin pour l'utiliser. Qu'est-ce donc? Il semblerait que c'est un panneau permettant le contrôle d'une machine permettant la création d'un golem de fer. Le golem inachevé repose dans le tube situé au-dessus du panneau. Il manque un bras et une tête. Tête, épaule et genoux-pieds. Genoux-pieds. Le bras de golem que vous avez porté était attaché au monstre. Il lui manque pas la tête. Le golem n'a pas la tête. De quoi as-tu Qui besoin? c'est qui est Je suis occupé? Qui est expert. ralenti? C'est Jera, évidemment. La Voilà. nature retrouvera ses Yoshimal. droits ici, même Yoshimal. après tout ce qui s'est On passé. peut Que ouvrir puis-je ici. faire pour toi? On continue vers le nord ou... En gros, la quête, c'est retrouver l'Avok, l'ancêtre de Valigar, et Alors. l'éclater. Puisque l'Avok est le constructeur de la sphère planaire. Ça pique. L'Avok est le constructeur de la sphère planaire, Je pensais être prêt. Je puis aussi danser sur la tête d'une épingle. Valigar veut le tuer pour des raisons bassement d'alignement et de c'est la honte d'avoir un nécro de ta famille, tout ça, tout ça. Oui. En outre, il y avait un Cependant. mage cagoulé qui nous avait dit oui, si vous pouvez ramener Valigar mort, ça m'arrange. De quoi Donc as-tu besoin? je suppose qu'il en voulait Mère, à cette vois-tu mon sphère, appétit comme mais on n'est l'éclair pas allé d'une lui étoile reparler sombre. et on ne peut pas Je passer par manquerai là de tout de suite. repos. Oh, encore des petits hommes. Et encore un lanceur de sort. Oh putain. Jairo va crever, voilà. C'est entendu. Bon. Décidément, les petites gens ont été très très agaçants ces épisodes, hein. Ici, j'allais. Je ne sais que je me vous rends. Oui, Abby? On va partir sur ça devrait déjà être pas mal. Je m'en voudrais de refuser. Un contingent, c'est quand même assez balèze. Le contingent, c'est ce sort qui permet de déclencher des protections automatiques dès le début du combat. Et c'est assez balèze. Il n'y avait pas un quatrième mec? Ah, c'était là. Il y avait une petite dague. Un couteau! Évidemment, il fallait être immobilisé hein, pour changer.
Et là, une espèce de forge, mais il y a des fourneaux. Il faut du charbon. Ça tombe bien, on en a. Et un élémentaire de feu qui nous attaque. Très bien, il s'en fait un. Ça fait deux. Je ne suis plus en combat. Et ça fait trois. Et Valigar vient de se prendre un critique dans la gueule. Qui l'a tué? Ah non, c'est juste qu'il a plus de 15 points de vie. J'avais pas vu. La barre-toi alors. Boop boop boop. Alors. On a remis du carburant à la chaudière. Jusqu'ici tout va bien. Petit dodo. Piège dans ma face. Je pense être prêt. Je peux aussi danser sur la tête d'une épingle. Là c'est peut-être une espèce de truc blanc au milieu du passage, il sent mauvais. Voilà. Oh, ce que c'était prévisible. Je m'en voudrais de refuser. Minsk, pour une fois, tu passes en premier, c'est une bonne idée. Bon, bien sûr, hein, double golem de pierre. Que puis-je faire pour toi? Parce qu'un, c'était pas assez. Je vais regarder ce que c'était les sorts de... Il y en a un qui nous remonte la force, c'est là-dedans. Magie des vertueux... Augmente la force... Et 5 de puissance... Et donc on peut... Ok, ça se cumule. C'est bien ce que vous voulez voir. Si je prends 5 de puissance, magie des vertueux derrière... Je dis qu'elle va pas baisser en force. J'ai l'objet pour augmenter la force de la draw. Oui, j'ai trouvé des gantelets d'ogre sur une des saloperies de gnomes. Ah, salut toi, très bien, tu m'arranges. Et du coup... Ouf, c'est allé vite. Et du coup, je l'ai mis sur Vico qui manque cruellement de force d'habitude. Et qui du coup cogne un peu plus fort et va pouvoir équiper des trucs un petit peu plus balèzes. Le mécanisme ressemble à celui d'une horloge. Il semble y avoir un panneau de contrôle. Avec une tête de golem. Ok, des munitions. Hop. Toi t'es encombré sous prétexte que ça soit un petit peu lourdeau. Voilà. Golem d'effort d'être transporté hors de la machine au moment où il commence à s'éveiller. J'espère que t'es cool. Ce serviteur des têtes d'intrus doit être détruit. Ah d'accord, il... C'est une inscription autour de la sphère obsidienne. Ces quatre runes sont la clé des portes des niveaux inférieurs. Vous devez toucher dans l'ordre prescrit ou subir la colère du gardien. Donc, de ce que j'ai compris, il y avait bien plus vénère que les gnomes qui se baladent. Il y a un Beholder. Je vais le voir au nombre plus tard, mais. Ah, c'est un ordre en plus. Ça pique, ça, la bestiole.
Une voix résonne dans votre tête. Hé, hey, toi le magicien, ta sphère n'est pas ton bouclier. Oh diable, ton golem, je m'échapperai. Si on peut se le tuer avant qu'il nous fasse des trucs chelous. Merde, c'est le golem qui l'a eu. Dommage, si on l'avait eu, on aurait gratté pas mal d'XP, tant pis. Alors, annulation des sorts, brèche. On est encombré, c'est chiant. Les flèches perceuses. Sponsorisé bien sûr par Dremel. Hop. Voilà. On connaît tout ça déjà. Que puis-je faire pour toi? Il n'y a plus d'intrus, ce serviteur peut se reposer un moment. Non, je reload pas, c'est pas grave. On va la jouer réglo, le golem a fait son taf. On va dire qu'Ali, il l'a mérité. C'est à lui l'XP. Puis des orbes anciens, on aura l'occasion d'en revoir dans le futur. Excusez-moi, je fais une micro-pause boisson. Hop là. Yoshishi, est-ce que tu peux ouvrir cette porte? Non. Oui. Du coup, là-bas, il y a un portail vers la salle de navigation. Mais on n'a pas encore fait la suite de ce niveau. Du coup, on va le faire par là. Il devait y avoir des sawagin, des trucs à la con qui se baladent. Qu'on va aller découper. Ah, j'y pense, je peux aussi vous faire un cosplay de Bernard Pivot. Attention. Oui, alors quand vous dites que vous tripotez des gamines, vous êtes quand même un génie de la littérature. Voilà, gros cosplay. De toute façon, vous est proposé par des sponsors. Brescola, bien sûr, hein, Brescola, le coca qui sert à vous désherber les champs. On avait raté un sort de fouet de protection de Kelben alors que c'est trop bien. C'est sort de discipline des protections, jusqu'au niveau 8. Ensuite, un sort supplémentaire à dissiper par round. C'est trop balèze. Non, non, c'est fermé. Et quand c'est fermé, c'est ouvert. Mettons-nous à l'œuvre. Quand il y en a deux pour deux, il y en a pour moi. Pas très beau comme endroit. L'odeur de sol est omniprésente et chacun ne veut pas provoquer des éclaboussures de croupies. Des sawagines. Des profonds. Une petite lenteur. Voilà. Bon, les Sawagin, c'est pas trop méchant. Hein. Le cola qui peut dérouiller vos objets métalliques. Et qui peut même dérouiller de la céramique. Et ça, c'est fort. C'est déjà de 1. La céramique, ça rouille pas, mais le Brescola peut le dérouiller. Mais on s'en fout. J'ai ramassé une arbalète, donc je me fous encore plus. On ne peut rien porter de plus, l'objet est au sol. Non, c'était des carreaux. Hop. Évidemment, si j'ai pas une tonne de brins sur moi, c'est mieux, mais bon. On va faire avec. Une câble de protection. On en a pas besoin. Que puis-je faire pour toi, comme tu voudras. C'est tout, y a pas d'autre porte. Ah bon. Ok. Dérouille le plastique aussi. Oui, Brescola, dérouille le plastique. Brescola sert à alimenter un réacteur nucléaire aussi.
Vous pouvez alimenter un réacteur nucléaire avec du bricolage. C'est la seule boisson qui réagit au son du biniou et à l'odeur du cunaman aussi. Bon, du coup, il va falloir activer ces runes à la con plus tard, je suppose, pour revenir chez nous. Pour revenir à la maison. Heureusement qu'on avait le golem quand même pour éclater l'orbe ancien, parce qu'il nous aurait mis la misère. Vu qu'on n'a pas encore le bouclier et qui ondule sur le ses manos, exactement. Ça sent la salle du boss, Oui. où je m'y connais pas. Du coup, on va faire un petit dodo au pas de Que la puis-je faire porte. pour toi? On va se buffer comme des gorilles. Exprime ta volonté. On va entrer en puissance, entrer en force. Bon, le grand méchant doit être derrière cette porte, je pense. Ça m'étonnerait même mixer tout seul. Hop. Résistance à la terreur, ça sert toujours, surtout que normalement c'est un mage. C'est un peu drôle que le dénouement soit genre non, en fait, c'était un nécromancien tout pourri, il est mort de vieillesse. Mais de toute évidence, non. C'est vous qui avez provoqué le nouveau déplacement de la sphère. Bande d'imbéciles, j'allais réussir à m'échapper. La vague. Vous allez mourir, mortel. Votre espèce m'importune depuis déjà bien assez longtemps. Vous ne passerez pas. You shall not pass. Je suis porteur de la flamme sacrée, gardien de la flamme d'honneur. Vous ne passerez pas, flamme doudoune. Je tiendrai le serment de ma famille, je mettrai fin à ton ignoble existence une bonne fois pour toutes. Tu ne comprends rien, mortel. Je ne suis pas celui que tu cherches. Je suis seulement son corps et ton intrusion a provoqué le retour de la sphère dans ma propre dimension. On m'a refusé le plan matériel. J'aurai ma revanche. Ok, il est de mauvais poil. Bon, ça serait. C'est le moment de défoncer sa peau de pierre, les gars. C'est quoi, c'est une espèce de liche? On se barre et trouver son phylactère, un truc comme ça. Cassos! Mauvaise idée! Donc à nouveau, nous avons utilisé cette technique qui s'appelle la fuite. Non, je ne peux rien porter de plus, l'objet est au sol. Il y a plein de gens qui servent à rien. Ou oh, genre qui? Qui dans ce groupe ne servira à rien? Allons. Valigar. Hein? Franchement, c'est pas sympa de dire que Jaira elle sert à rien. Je m'en voudrais de refuser. Elle fait de son mieux, ok. Si ma mémoire veut, tu es juste derrière moi, hein. Il y aura d'ailleurs son phylactère quelque part, un truc du genre. C'est pas ça, c'est sympa quand même. Tu n'as qu'un mot à dire. Alors, hache d'arme, plus 2. Armure en l'occurrence en fréquence. Ninjato, plus 1. Protecteur du second, plus 2.
C'est nul. C'est plus bon pour personne. Ah, c'est mieux pour Yoshimo. C'est mieux que son arc court, mais. Est-ce que c'est mieux que son katana? Non. Donc c'est de la merde. C'est bien ce qui me semblait. It is shit. Donne-leur de l'équipement rad. Mais ils ont déjà de l'équipement, c'est bon. Ils ont largement ce qu'il leur faut. Tiens, c'est vrai que Vico, maintenant tu peux utiliser ça. Et ça, c'est bien. T'as la compétence, j'espère. T'es ouf, t'es ouf, t'es ouf, Non, évidemment, bien sûr. Une fois que tu as un point de compétence, tu gagnes un point en fléau. Que puis-je faire pour toi? Bon. Deuxième round, esquiver le sorcier C'est maléfique, entendu. phase 2. Ah, c'est pas moi. Je suis pas là. Ça pique. Je suis pas encore mort. Bon, par contre, ça c'est chiant. Ceux-là, ils sont relous. Oui, bonjour! Demi-polyte, c'est chiant parce qu'il se multiplie et Viconnet vient de mourir. C'est entendu. On peut passer dans une situation où l'avoc nous suit et ça, c'est pas bien du tout. Oui. Du coup, est-ce qu'il y a moyen de le. Défoncer autrement. Je ne peux plus m'enfuir. Alors si vous n'aimez pas les passages où les gens se buffent, vous allez vous faire chier, hein, parce que... Que puis-je faire pour toi? Hop. Il récupère ses sorts dans la main du méchant et en repos. Je crois que oui. Et il récupère ses points de vie aussi, il me semble. Autant dire qu'on va repasser un bon moment. Je m'en voudrais de. Non, mais il doit y avoir un truc pour le défoncer. Mais... Ah, bah non, visiblement ses protections sont éteintes. Et on l'a éclaté. Vous aidez. Elle a disparu. Qu'est-ce qui se passe? C'est la blague? Qui es-tu donc? Je peux à peine te voir. Je suis ton descendant, Lavoc. Je m'appelle Valégar Gandalf Cortala. Et je ne te laisserai pas prendre mon corps pour prolonger ton existence. Puisque tu es toujours en vie, je vais y remédier sur l'heure au nom de la lune. Cortala, oui, je m'en souviens maintenant. Ma famille. Oh, je me meurs, Valigar Cortala. C'est certain, rien ne pourrait m'apporter autant de soulagement. Là, je t'avertis, les Nécromanciens, je ne me laisserai pas abuser. Je ne veux pas non plus te tromper, jeune homme. Une étrange force m'a rendu prisonnier de mon esprit. Je l'interdisais. Essayes-tu de me dire que tu n'es pas mauvais, que tu n'es pas le sorcier qui s'est nourri de sa propre famille comme on l'aurait fait une goule qui est toujours entre les miens? Ah, je suis lui. Je suis tout ce que tu as dit et plus encore. J'ai passé la moitié de l'éternité à empêcher cette force d'ouvrir les secrets de la sphère dans mon esprit. Je ne pouvais pas la relâcher sur ma maison. Merci d'avoir mis fin à son existence. Et ça devrait racheter tous tes méfaits. Je maintiens que c'est le châtiment qui te convient. Ah oui, vraiment, j'ai là des douleurs et d'angoisse pour repenser à mes péchés. Je peux t'offrir comme mon chagrin, Valigar, si je t'ai fait du mal. Si je pouvais tout recommencer, ah, si je pouvais revenir en arrière et convaincre l'homme que j'étais jadis de remassacrer ma famille pour redevenir immortel, que la sphère n'était que l'œuvre d'un orgueilleux voué à l'échec. Mais je ne peux pas, la mort me délivrera bientôt de ma trop longue vie. Je vais t'accorder une faveur, Valigar Tortala, même si je sais que tu n'as aucune raison de me l'accorder. Qu'est-ce que tu veux? Je voudrais revoir le ciel de ma terre natale une dernière fois. Je partirai en paix si je sais que je suis mort là où je suis né. C'est quoi cette voix? Bah pourquoi pas?
Et écoute, il est vieux, il est décomposé, il est à moitié mort, je fais la voix que je veux. Hein. Je me meurs et je veux mourir ici sous mon soleil. En retour, je vais te dire comment rapporter la sphère dans ton plan. Je suis heureux que tu sois entré dans la sphère au bon moment. J'ai pu cacher à la force que la sphère est protégée contre l'intrusion. Elle se déplace automatiquement vers un autre plan. Un piège qui me permettrait de m'occuper des intrus à volonté. Mais c'est déjà notre temps. Ramène-moi chez moi, Valigar. Je te dirai comment au terme de ce monologue interminable sur le seuil de la mort. C'est pas une ruse? C'est pas une ruse, mon descendant. Je n'ai plus la force de réaliser ni même l'envie. Je te le demande humblement. Tu n'es pas l'homme que j'imaginais, mais à la fois. Je ferai ce que tu demandes malgré le fait que tu aies massacré tous mes ancêtres. Ah, très bien. La sphère tire son énergie de l'âme d'un puissant démon. Notre dernier voyage aura épuisé l'énergie de la dernière âme possédée par la sphère. Tu dois repartir dans le plan et prendre le cœur d'un autre démon. Je sais pas comment, mais tu dois. Rapporte le cœur dans la salle de la machinerie de la sphère et place-le dans ce golem. Je règle le relicrement d'ici pendant que tu seras parti. Mais à toi, Valigar Cortana. Des choses vont remuer dans les plans et remarquer la sphère maintenant qu'elle est ici. Ah, je vais essayer de tenir assez longtemps. Putain, mais déjà, s'il avait mis moins de 20 minutes de monologue, on serait pas là. Ah, il y a un truc à prier. Je pense être prêt. Je peux aussi danser sur la tête du nez. Oh, y a de la thune. Là, on est bien. Là, on est content. C'est pour Je ça pense qu'on est être prêt. venu. Il meurt, mais en fait, non. Non, j'avais mieux. Je pensais que j'allais mourir, mais en fait, j'avais juste un gros rhume. D'où ma voix un petit peu merdique. Oui. You came here like a fireball. Que puis-je faire pour toi? Nul ne me résiste. On va défoncer les colonies de spores en premier. Voilà. Sinon, il est très facile de se faire défoncer par ces sauvegardes de colonies. Merci de sortir, l'accordement. Après avoir sauvé un doudou, tu as trouvé un cœur de démon. Oui, bah, l'échelle des quêtes est pas la même. Hein. La 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 la. Front plus 2. Mais j'ai une front plus 3. Bille plus 1. Hop, les billes normales vont dégager parce que j'ai plus de place. Tiens donc ces potions, on va les voir quand t'as là. Comme tu voudras. Et un bâton de Toupourax probablement. Voilà, c'est là ce qui me semblait. Que puis-je faire pour toi? On est content. Prenez garde où vous mettez les pieds dans pareil endroit. De maléfiques forces magiques qui sont attirées. C'est entendu. Ta Valigar, c'est devenu un petit peu le souffre-douleur du groupe. Je m'en voudrais de refuser. Vu qu'il est à moitié à poil. On n'avait pas défoncé un méphite dans une salle? Est-ce qu'on peut pas ramasser son cœur? Donne-moi ton cœur, méphite, donne-moi ton cœur. Je voudrais bien charquer les nabos là parce qu'ils m'ont bien fait chier, mais bon. Bien sûr, je mise sur toi, Tancred, pour retrouver qui est l'auteur de cette magnifique chanson. Donne-moi ton cœur, bébé, ton cœur, bébé. Et je sais pas la suite des paroles. Alors, les chevaliers de Mons Gibi, ils sont toujours là.
Vous pouvez rien faire. Bah, du coup, on va essayer d'invoquer un gardien à la con. En touchant nos petites runes, là, genre... Je veux une femme like you. Camaro, oh là 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 là. Bien sûr, comment aurait-on pu oublier un grand chanteur français tel que Camaro? Je vais dire que c'était Colonel Rayel ou un truc comme ça, mais je pense que du coup je vais rentrer dans le milieu d'une guerre entre les fans de Colonel Rayel et de Camaro, un peu à la hauteur de ce qui se fait entre Caris et Booba, bien sûr. Des gangstas, des vrais gangstas à la française. Ok, donc non, ça implique une boule de feu, et ça fait mal. Celle de la fournaise, non. Ah, peut-être que les... Les élémentaires, ils me lâchaient rien. Non. Je cherche un cœur de démon. Laisse-moi celui qui partage ta vie. Celui qui tue ma... Tu t'as comblé. Je sais pas du tout le rythme de cette chanson. Panneau ouvrant la porte intérieure. C'est ça qu'on a ouvert quand même. Voilà, on est bloqué éternellement dans cette sphère à la con. Déjà parce qu'on est incapable de trouver un cœur de méphite débile. Et Camaro, mais que devient Camaro? Hein, c'est. J'ai lu dans la voiture quand on est allé Guédelon, c'est vrai, c'est vrai. Mais voilà, je veux dire, tant d'émotions, je ne pouvais qu'oublier, bien sûr. Un aussi grand moment de musique. Mes oreilles en étaient charmées. À un moment, c'est vrai que... Voilà. Ça fait quoi la porte fermée? Bah, c'est une porte et elle est fermée et je ne sais pas comment la passer. J'aimerais bien l'ouvrir. Il m'a dit qu'il y a un panneau de contrôle de la porte, mais il se fout de ma gueule. À moins que je suis au mauvais endroit. Non, je suis bien là. Panneau ouvrant la porte derrière. Donc du coup, il se fout de moi. Je pense qu'il faut activer les runes dans le bon sens pour ouvrir la porte là, mais... Oui. J'avais plus de charbon d'ailleurs. Ah si, j'en ai encore. Peut-être que du coup, je peux ramener un élémentaire là-bas. Comment puis-je te venir en aide? M. Pokora qui reprend Claude François, putain, c'est vrai. Ah, et franchement, les chansons françaises, on est gâtés. Hein. Je pense que c'est toujours un grand plaisir de se dire qu'on est représenté par des gens aussi bons que M. Pokora, qui doivent leur plus gros succès à la reprise de chanteurs morts depuis à peu près 50 ans. C'est pas mal, c'est pas mal. Je pense qu'on a bien évolué, on a bien. C'est bien amélioré, quoi. Vous êtes lent, les gens. Mais j'ai activé trois fourneaux, du coup, on va pas pouvoir ramener un mec. On est coincé comme des cons.
Vous devez vous réunir, devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. Bien sûr. C'est entendu. Peut-être que les ploucs ils connaissent, mais les trois d'entrée. Je m'en voudrais de refuser. Il n'y a pas un passage secret où t'as pas ramassé un bouquin qui donne la solution pour les symboles. Mais j'ai pas fait gaffe. Repère-moi la voc. Tu dois trouver le courage des démons et le four. Il doit être assez puissant pour alimenter la sphère. Va le demi-elf. Ah bien. Tu m'emmerdes la voc. Je pense pas. Ça c'est le manuel de fabrication. Est-ce que ce n'est pas le cœur du golem qui serait un cœur de démon? Je pensais bien. Je tente la chance. Baston! Bon, il ne ressent rien. Ben, si, il y en a un qui lui fait des dégâts, je sais pas qui. Jaira va lui faire des dégâts. Ça va être long. Hein. J'ai une bonne question. Comment as-tu pu le manquer, Valgar? J'espère qu'il ne se régénère pas. Ressortir. Bah ouais, mais les verrouilles, elle va se faire, non? Ah non, elle est rouverte. J'ai même pas vu, putain, et aveugle man. Oh, ça aurait pu être long. Ça aurait pu être long. On était parti pour 2 heures de tournage en haut, d'énervement et d'agacement et de serrage de dents et de tririment en. Alors que j'ai juste pas vu que la porte était ouverte. En effet, tu arrives pile au moment pour éviter qu'on s'emmerde ou non. Je l'ai fait exprès de tourner en rond. Tu n'as pas l'air enthousiaste à cette idée, Tancred. Bon, qui dit extérieur hostile dit d'abord sort de réparation. Que puis-je faire pour toi? Non, on dit quand c'est déjà, c'est pas grave. Oui. Incantus Fulca. La victoire nous appartient. Allez. Courage. Mettons-nous à l'œuvre. Ça mène peut-être dans une auberge. Dans une bonne auberge. Moi j'espère, mais j'y crois peu. Waouh, des diablotins. Un quadis d'une salamandre. Toujours rien d'assez puissant pour alimenter la sphère. Ah, un tanari.
Tremblez, mortel, car je vous ai trouvé mon troublé mon repos. Ok. Donc ça pique. Nous sommes d'accord sur un point, ça pique. Roger la salamandre. Roger la salamandre. Ok, donc le tanari, c'est bien, ça c'est puissant. Le problème, c'est qu'il fait bobo. La lucidité quand il dit ça. Cette arme, c'est vraiment de la merde. Bon. On sert un petit casier de merde autour d'abord. Cette arme est donc totalement. Il ne me résiste à l'attaque. Vengeance. Rends-toi enfin utile. Meurs. Que le meilleur l'emporte. Que puis-je faire pour toi? On s'est fait rosser. Oui, c'est entendu. La victoire sera noire de voir un temps que je dois rapide. Donc toi t'as surdité, donc c'est mort pour ton échec de sort, tu vas le rater. Jaja, évidemment, tu es sous surdité, sous immobilisation. Jaira, tu t'es fait défoncer. C'est entendu. Alors, se focaliser sur. Je m'en voudrais de refuser. J'alcalais. Je ne sers que la nature. On va ramener du peuple. Bring the people. Il y a que Viconia qui a échappé au sort, très bien. Et Minsk est mort. Bon, voyons voir s'il y a d'autres gens un peu moins sympas. Un peu plus sympas, pardon. Je pense qu'on n'y comprend pas, hein, l'affreux, mais... Si seulement on avait pu ramener ce pont de golem avec nous. Vu qu'on a besoin de son cœur, je pense pas qu'il le donnera comme ça. Eh ben il devrait. Il devrait me donner moi ton corps, baby, ton cœur, baby. Ah, y'a Maurice Sanski qui me lance un sort. Qu'est-ce qu'un Moreski? C'est une bien bonne question. Ça rapporte combien? 6000? C'est pas mal. Bon, je suis toujours à la recherche d'une femme like you. Y'a même pas des trucs à ramasser en enfer, c'est nul, c'est la zone. Ils font chanter cette chanson, il va se suicider, bah oui. Mais si j'avais un barde, si j'avais récupéré Erdalis avant, je pourrais arriver en chantant.
Donne-moi ton cœur, baby, ton cœur, baby. Un mec qui a l'air tout aussi peu sympa. Vous êtes fichtrement nombreux quand même, les mecs, hein. Ça allait vite. Qu'est-ce qu'il t'a pris? Un regard mortel, très bien. Ok. Petit pouvoir, comme ça. Oui. C'est le livreur de boules de feu! Bien sûr, il résiste à la magie, ce con. Vous avez le droit de toucher, ce n'est pas interdit. Barre-toi! T'avais pas dit de faire une lenteur, toi? Depuis quand il invoque des squelettes, lui? Très bien, très bien, très bien. Protection contre le mal. Oui, mais c'est trop facile. Je ne sais que j'en ai une de groupe, j'espère. Sinon, ça va être chiant. Vic, vic. Pas une protection contre le mal, protection contre le mal sur 3 mètres, c'est très bien ça. Hop, 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 hop. J'alcales. Bon. Prenez garde où vous mettez les pieds dans le royaume. De maléfiques forces magiques qui sont attirées, telles des mouches. Il raconte de la merde, Valégar, quand même. T'es complètement craqué dans ce slip. Oui, bon, sort de soin, c'est surfait. Ils sont vraiment fatigués pour sortir. Oui, bah écoute. Faut vraiment être fatigué, certes, mais quand même. Quand t'es crevé, t'es crevé. C'est comme quand. C'est comme pour les cannibales. Quand t'as la dalle, t'as la dalle. C'est un. Voilà, c'est quand t'as faim, tu regardes pas ce qu'il y a dans ton assiette. Pique quand même malgré ça. Là, on va pouvoir sortir la blague du chef. Bon, on a défoncé un démon, ça c'est bien. Barre-toi, Valigar. Oh non. Non, 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 je suis pas mal, je suis pas mal. Bon, Valigar, t'es à moitié mort, mais tu n'es que à moitié mort. Tu désignes et j'assure. Oui. De la potion en plus. Oui. Luxe. Est-ce qu'on peut se faire un Tanari? On va essayer d'attirer les gens autour d'abord.
pas normal. Je pense qu'il va nous éclater. Voilà qui n'est pas normal. J'aurais peut-être un besoin. Déjà, tu vas mourir. Vic aussi. J'espère qu'ils ont très très soif parce que là, ils en boivent quand même la potion. Je suppose bien sûr que cette saloperie est immunisée à la magie, sinon c'est pas drôle. Et de deux. Des nions, pas des mots. Je vais aider Yoshimo qui est en train de se faire défoncer alors qu'il est immobilisé. Que puis-je faire pour toi ? Oui. Jaira, tu vas te le soigner, puisque j'ai la capacité de le faire. On a gagné combien du coup, Eclat ? 10 000, je sais pas. Bon, bah il reste encore celui qui est là-bas. Hein. On se fait attaquer par un truc en plus. Jaira, t'es ralenti. Ah oui, tu as un cœur. T'as sauté la blinde, ce truc. Oui, si je te le redonne, c'est complètement con. Voilà. Et du coup, est-ce que je peux accéder là-bas plus facilement qu'en faisant tout le grand tour? Parce qu'il y en a quand même un deuxième à se faire. On va pas repartir de l'enfer sans avoir fait le ménage. Il doit être dans le coin. Que puis-je faire pour toi? Regarde ce dodo. Voilà. Il était temps, oui. Hop. On va se mettre la blinde de sort de défense parce qu'on sait qu'il il ramène ses petits copains qui font très très mal. Hop, tu peux relancer ta protection contre le mal sur 3 mètres. Fais ta rapidité. Et c'est qui part. Coucou. Que puis-je faire pour toi? Du coup, maintenant qu'on sait que t'es pas immunisé à la magie. Je sais même pas comment on a pu avoir du mal tout à l'heure. Vous avez le droit de vous battre, c'est pas interdit. Voilà. Ça c'est fait, hein. C'était des gros combats, bien sûr. On a plus de place.
Hop. On pourrait avoir un troisième cœur de démon, mais je sais pas si ça sert à grand chose. Dans le doute, Minsk, tu vas le récupérer. Et on a fait le tour de la zone. Hop là. Est-ce que contre le mal est bien? Oui, probablement. Je sais que par exemple, c'est une très bonne idée de se lancer une protection contre le mal avant de se lancer un sort de portail. Vous êtes encore sur rapidité, c'est très bien. Même sur la carte, Fade est flamboyant avec sa petite protection bleutée. Bon, j'espère que ça nous rappellera moult thunes hein, quand même cette affaire. Mettons-nous à l'œuvre. Je crois qu'en termes d'XP. Vous devez réunir votre groupe top. Avant d'aller plus loin. Ah, on va pouvoir refaire du doublage de qualité. Oui. Avec Willy Gore fera l'affaire. Va dans la machinerie et mets-le dans le golem, fais vite. Faites vite. Ouais, faut retourner là-bas à la salle du golem. Sérieux? Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. C'est entendu. C'est toi qui veux le mettre? Non. Il faut ouvrir la porte et éclairer une baie, mais on n'a pas encore l'indication sur comment ouvrir la porte. Alors on peut le faire au pifomètre, hein, mais c'est pas... Après, ça se lance. Oh, le spoil! Erwin, c'est 1, 2, 3, 4. Bon, là, il y a un 3, ok. 1, 2, 3, 4. C'est comme ça. On a qui qui nous protège contre le feu? Tiens, Veligar. Oui. Non. Ouais, il doit bien avoir un moyen normalement mieux que ça pour d'ailleurs un truc à trouver pour activer. Bah ouais, normalement je peux trouver l'info autrement. Oui. Je pense. Parce que là c'est un petit peu limite, il faut juste brute force le truc. Bien de puissance, moi. Je suis même pas sûr que c'est qu'il y a autre chose. Allez, d'accord. Comment puis-je te venir en aide? Vous qui espérez un partenaire pour faire ça là. Propre. Pas sérieux, croyez-vous pouvoir traîner les mèches cagoulées en toute impunité? Vous ne méritez que la mort en récompense et Valiga va nous rejoindre. Voix du charisme. Jamais, tu ne mourras jamais, tu ne pourras jamais ta précieuse sphère. Pas idiot, vous auriez dû courir plus vite. Nous vous avons suivi, nous avons ainsi pu franchir les portes que vous ouvriez, et maintenant on a réussi à entrer dans cette salle avant vous, je ne sais pas comment. Et maintenant subissez notre courroux. Bon. Yoshimo, pourquoi t'es pas à l'arc? Oula. Ça fait bigrement mal, ça. C'était un peu la surprise du chef, en mode LOL, je suis là avant toi. Bon, bah, comme d'hab, hein. On a été interrompu. Ah oui, il y a des trucs. Il y a des ombres. Je les ai même pas vus. À l'attaque, et pas de quartier. Cette arme est donc totalement inutile. C'est pas l'arbre qui est inutile, Valigar, c'est toi. Voilà. Hop.
On doit se faire une petite préparation habituelle. Je pense être prêt. Que puis-je faire pour toi ? Exprime ta volonté. Oui. Que puis-je faire pour toi? Oh oui. Je suis l'un des rares. Pas content. Et c'est ainsi qu'il mourra bloqué dans une porte. D'accord. Ok, vous le prenez comme ça. Cette saloperie de zone a fait extrêmement mal, hein. On ne laisse pas mourir Valigar. Je sais que c'est un petit peu rigolo, mais quand même. Hop, défoncez-moi le nichereux. La meute, elle est en train de nous invoquer tout ce qu'elle veut. Hein. Ils sont arrivés comment ça là? Mais ils ont pris un raccourci. Bon, d'ailleurs elle est morte, ça c'est cool. Arrêtez de vous bloquer dans la porte, bande de cons. Je vais devoir shooter l'autre, qui est quand même trop chiant. Ah, bon bah, ça c'est fait. Une petite leçon de mage. Bah oui. On va défoncer l'autre en fait, qui est quand même le plus chiant des deux. Voilà. Ça c'est une pote pierre supérieure qui est comme ça. Brèche. Si t'es invisible, ça va pas être possible. Je suis toujours là. Je pense être prêt. Ça sent la boule de feu. Ou le Shine Lightning, ça dépend. Putain, on a vraiment rien pour passer travers. Bon, ça c'est fait. Ah, on a tué sa peau de pierre, mais après qu'on soit mort, c'est un peu con. Cette arme est donc totalement...
Je ne sais plus fait. Je suis toujours. Vous y avez bien réfléchi. Minsk, j'ai de la confiance. Oui. C'est pour ta gueule. C'est trop rapide. L'arme au canapé, c'est inconcevable. Que puis-je faire? Il me faut une plus grosse arme. Oui, il est balèze, Tolgarias. Oh, protection supprimée, je risque de prendre cher. Ouais. Le sort de brèche quand il passe, il est radical. Hop là, les cœurs de démons, normalement, on n'a plus besoin, mais bon, on sait jamais. Hop là. T'as le sort de brèche, ça tue ta pote pierre, et oui, vas-y, tu te fais tabasser. Anneau du grand bélier, blablabla, repousse la cible, sac des 6 de magie, c'est pas mal, ça peut servir. Hop. On va quand même se finir la zone avant de mettre fin à l'épisode, ça serait ballot, je veux pas vous laisser sur ce suspense insoutenable. Je pense être prêt. Je peux aussi danser sur la tête d'une... Pièce de stockage vide... Mmh. Oups. Je pensais bien. Des élémentaires en plus grand. Que le... Cette arme est donc totalement inutile. Cette arme est donc totalement inutile. Un élémentaire majeur, non. Il peut voter, c'est cool. On a vu qu'il y avait un djinn aussi. Un effrite noble. Qui fait suffisamment mal pour tuer Minsk. Bon, surtout qu'on est un cours de sort de. On a un cours de sort de soutien. Un point de vie près, bravo. Oui. Je m'en voudrais de refuser. Hop, nous avons une forme de prot ici. D'autres gens peut-être à défoncer, oui. Une salamandre. Deux salamandres. Ah, en plus, il y a des pièges. Et c'est ça qui nous tue. C'est ridicule. Hop. Projectile magique, c'est un sort de niveau 1, mais ça reste un des meilleurs sorts du jeu. Yoshioche, tu vas te mettre en recharge de piège tout de suite. Il l'a trouvé, mais je sais pas où. Sur les plaques comme ça, d'accord, sur les petits trucs, les pièges. J'avais pas vu. Que puis-je faire pour toi? Bon, du coup, on commence à être dans un piètre état, hein. Quand même. Ah,
un grand bouclier, un bâton, des parchemins dont on ne connaît pas, et des flèches. Je prends tout ça. Grand bouclier. Plus un contre les boucliers, contre les projectiles. Ouais. Tu vas être un peu moins ridicule au moins en termes de classe d'armure, t'as moins 4, c'est pas mal du tout. Hop. Bâton de feu plus 2. Ça détruit les aimantières de feu instantanément, c'est bien. On va dire que c'est pas mal. Yoshimono. Est-ce que j'aurais pas mis dans le truc un parchemin de sort que je ne connais pas? Si. Là. Et des flèches de feu, ça fait longtemps qu'on n'en avait pas vu. Ça nous rappellera le bon vieux temps des mines de Nashkel. Reprends donc ce qui traîne à terre. Voilà. Oui. On va faire un petit dodo parce que là on est le piètre état à nouveau. Oh putain, on se fait attaquer par quoi? Par des ombres, allez. J'alcalès. La confiance et l'apanage des fous. Pas des morts vivants. C'est ballot. Ah suite. C'est le petit inconvénient d'avoir Viconia par rapport à un prêtre bon. Un prêtre bon, ça aurait détruit les ombres, ça aurait été plus rapide. Ah, t'es revenu là, toi. Le voilà de retour, notre ami Efrit. Et je pense que tant qu'on n'aura pas trouvé sa fiole, il va se régénérer. Mais il a fini ce truc. Laissez-moi sortir de cette sphère. De quoi tu peux vivre comme l'éclair et tout ce qui s'ensuit. Que puis-je faire pour... Je pensais bien. Une salle de glace, bien sûr. Oui. Qui dit salle de glace dit boule de feu. Allons-y. Ah, vous étiez que légèrement blessés. Hop. Cette arme est donc totalement au bout. Ouais, il ne me résiste pas. Ah, Minsk passe de niveau. Très bien. Hop, niveau 10 du coup pour Minsk. Tac au réduit de 1, sort de prêtre au niveau 2. C'est vrai qu'on n'a jamais trop regardé ce que t'avais comme ça. Armure de la foi, c'est très bien. Sort de prêtre au niveau 2. Résistance au feu. Oui. Belle. Un troll des neiges. Je suis toujours. Je pensais que Valigar serait mort, mais ça va. Petite flèche acide. Voilà. Voilà. Mettons-nous à l'œuvre. Yoshimo, tu vas chercher si tu traînes dans le coin, parce que ça m'étonnerait qu'il n'y a rien. Voilà. Comme tu voudras. Un caxon. Un casque et des flèches. Oui.
Et j'ai peut-être un parchemin de sphère résistante. Alors, caisse de défense. J'ai de sauvegarde plus, hein. Résistance au feu, froid, électricité et concrétion. Et Valigard. J'ai déposé votre objet à terre. Clé du tourmouron. Changement d'ambiance avec la neige. Mais oui, c'est multi-ambiance cet endroit. C'est... Il y a tout pour faire un monde. Non, mais tiens, hop, tu files ça avec le chimo, tu feras de la place. Maintenant, Valigard, t'as un truc sur la tête. Et ça, c'est fou. Hop. La sphère résistante, on la connaît déjà. Je pense que les deux passages mènent dans le même endroit. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. Je m'en voudrais de refuser. C'est donc lui la pièce centrale de la sphère. Cette mage de serre frissonnante semble être au centre du pouvoir de la sphère. Vous devez trouver un moyen de lui redonner de l'énergie si vous voulez retourner à Katla sur le plan matériel primaire. Fort bien. Ah oui, on se fait attaquer comme ça par un golem. A défaut d'une solution plus évidente, vous nourrissez une débouche de la structure de chair avec cœur de diamant. Quelques temps plus tard, la sphère se met à trembler et vous sentez se charger d'énergie. Il sert à rien, Valigard. Oui, c'est pas faux. Un œil de la sphère semble animé de vie. Déformant l'espace en ce elle vient effectuer son dernier voyage. Du coup. On s'est attaqué par des golems comme des bizarres. Mais normalement, on a enfin fini. Cette arme est donc totalement inutile. Il y avait trois golems quand même sur le tour. Cette arme est donc totalement inutile. Et rien. Une golem d'argile. Vico. Ça fait la deuxième fois que tu passes à un point de vie de la mort, faut arrêter maintenant. Salut Jerrican. Non. Tu n'as qu'un mot à dire. Y'a des trucs à ramasser, j'espère que c'est pas piégé. Oups. J'ai besoin d'aide. Alors, anneau de perception du danger, 25% de détection des pièges, ça va être pour Yoshimo. Excuse-moi, mais je ne peux rien porter de plus. J'ai laissé l'objet sur le sol. Alors, la lettre des ténèbres, on s'en fout, il y a une énigme complexe, mais on n'est pas capable de lire. Hop là. Toi, c'est bon. Que puis-je ? Oui. C'est parti pour un ramassage laborieux d'objets. Et normalement, on aura enfin fini la sphère planaire. On va pouvoir aller à Adkatla et mettre fin à cet épisode. Alourdi de quelques objets magiques. La hache de Bala, le tueur de magicien. Ça, c'est un nom qui me plaît. Un fourfoiement magique affecte la cible pendant un tour à chaque coup réussi. Ouh, je suis bien ça. Par contre, c'est une lâche normale à part ça. Dommage. Dommage, dommage. Ah tiens, Jaira a monté de niveau. Est-ce qu'il y a d'autres trucs à ramasser par là? J'espère que oui. Mais non. Du coup, on peut revenir par les deux salles. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. Je sais. On va faire un petit dodo. Oh oui. Et on va voir l'avoc. Qui doit peut-être encore avoir quelque chose à nous dire quelque chose. Je pense, j'espère. Oui. Ce qu'on va faire pour se dépêcher, c'est lancer une petite vitesse. Je pensais bien.
Veligar est bien plus tard avec son katana magique craqué. Oui, mais pour l'instant, Veligar ne sert pas à grand chose. J'aime bien quand il vous marche. Devez réunir votre groupe avant on dirait Benil. L'avoc. Nous sommes revenus dans notre plan. Nous sommes revenus dans ton plan. J'ai tant étranger, nous avons fait marcher. Laisse-moi voir une dernière fois mon soleil. Laissez-moi voir le soleil une dernière fois. Oui, bah d'accord. Mais tu as toute ma reconnaissance. Si tu veux me transporter, ma force m'a quitté. Mes derniers instants sont arrivés. Hop, te voilà dehors, sale vieux. Ah, le ciel, enfin. J'avais oublié sa couleur depuis le temps. Je te remercie. Et je voudrais te remercier de ta gentillesse en te faisant un petit bisou sur ton front tout mouret. Je sens en toi un pouvoir et des capacités similaires aux miennes. Tu es un mage? Oui, j'ai raison. Tiens, voilà une brouette d'XP d'abord. Prends la sphère planaire, mage. Je te la donne pour m'avoir libéré. Utilise-la d'une manière plus sage que toi. Il est mort. Mort. Oui, il est mort. Il est mort, l'avoc le même connard. Le nécromancien a fini par périr. Je n'imaginais pas que ça se passerait ainsi. Le vœu de ma famille a été exaucé et je suis désormais en sécurité. Je ne ressens toujours aucune satisfaction. Aurait-il pu se racheter après tout ce temps? A-t-il vraiment affronté ce démon pour l'empêcher de s'évader de la sphère? A-t-il trouvé une femme like him? Si on m'avait posé la question hier encore, j'aurais répondu une telle rédemption était impossible, je n'en suis plus sûr désormais. Je pense que j'en sais peut-être pas autant que j'aime le croire, je n'ai pas vu autant de choses que je le pensais, cette prise de conscience est bien troublante. Je continuerai volontiers de voyager avec vous, Faith, si vous m'y autorisiez. Il y a tant de choses que je connais pas alors que je dois les découvrir. M'accepterez-vous? Oui, 6 mois, tu as plein de matos à vendre sur toi. Je vous remercie, Faith, je ne vous le décevrai pas. Elle te gueule. Pardon. Que justice soit faite, tu sauras qu'aujourd'hui tu as subi la justice des Ménestrels. Qu'est-ce que c'est, Adeliane? Que fais-tu ici? C'est moi, Jaira. Je le vois bien, cela me peine, mais tu mérites la mort réservée aux traîtres. Aux traîtreuses. Quoi? S'il s'agit de l'attaque du cercle des Ménestrels, tu sauras que je n'ai fait que... Tu sais que je n'aurais jamais fait cela si je n'avais pas eu d'alternative. Ils ne vont pas laisser le choix. Je ne sais pas de quoi tu parles, Jaira, explique-toi. C'était Galvare, il m'a ramené mon compagnon sous prétexte de déterminer s'il représentait un danger, mais il n'a jamais eu l'intention de laisser partir Fade ensuite. Les Ménestrels savent seulement qu'il y a eu une attaque et que Galvare est mort. La perte d'un membre aussi prometteur a profondément secoué nos rangs et... Bah, c'était un imbécile! Un imbécile! Salut Cromwell FR, comment que ça va? C'était un imbécile résolu à améliorer sa position. Il avait l'intention d'exhiber Fade comme un trophée en espérant obtenir assez d'influence pour devenir un héros. C'est un peu tiré par les cheveux, Jaira. Tu es connu pour ta haine envers Galvare. Et pourquoi cet homme aurait-il une telle valeur? Cet homme, entre parenthèses, Théo. Eh ben. Eh bien, moi, ça va. Nous venons de finir la sphère planaire. Il y a une espèce de nabo dégueulasse ici. Et puis, il y a des gens qui nous parlent. C'est le bordel. Tu peux choisir de lui dire ou non, Jaira. Je préfère que mes origines restent secrètes, mais je te laisse décider. Comme tu voudras, Leviane. Fade à la télé, car c'est l'un des enfants. Galvare voudrait profiter de la crainte inspirée par les anciennes prophéties. C'est un enfant de balle? Et tu fais plus confiance en qu'un des tiens? Fais comme bon te semble, Leviane. J'ai été expliqué mes raisons. Je ne vois pas quoi te dire de plus. Baisse ton arme, Jaira. N'a pas besoin de verser le sang aujourd'hui. Nous sommes sur une petite corniche dans une position bien peu avantageuse. Je ne laverai pas mon arme sur toi, Leviane. Ce fut une énorme erreur et je ne veux pas en faire une autre. Oui, je peux retourner voir les chevaliers qui sont dans la sphère. La preuve est faite, Jaira. Mes compagnons sont morts et tu reconnais leur meurtre. Tu voyais avec Fade, qui n'est pas un saint. Je dois le faire, je regrette. Comme moi, Leviane. Oh, mais vous êtes relou à vous toujours. Rien apporté de plus, l'objet est au sol. Bon, alors déjà, on a du bordel. Identifions nos culottes d'oreilles. Déjà. Finalement, notre cœur de démon, je pense qu'on est passé. Avec notre cœur de rocker, bien sûr. On n'en aura sûrement pas besoin. Ça, tu vas pouvoir filer à Fade, mais il n'a plus de place. Oh là là, quel bordel. Quelle histoire. Hop. Tranquillement, avant le début du combat, je ramasse l'anneau. Je l'identifie. 2 sorts supplémentaires de second niveau, un sort de 3 et un sort du 4. Tiens, il est mieux que celui-là, non? Oh là là, mais trop de choses. Tiens, Veligar, t'as gagné un anneau.
J'espère que ça te fait plaisir. Hop. Les prêtres ont monté de niveau, c'est parfait. Monté de niveau de druide. Un sort de niveau 6, ça va faire plaisir. Hop. L'âme enflammée. Ouais, soit des blessures, on s'en fout. Alors, niveau 6, qu'est-ce qu'on a? Ah, des convocations, blablabla. Miroir physique, ça fait quoi? Rupture localisée de l'espace. Ah oui, ça renvoie les projectiles, c'est marrant. Et moi, écraser votre sale tête. Et merci pour le follow, Cromwell. J'espère que ce sera avec plaisir que tu suivras nos aventures. Hein. Et que tu apprécies cette magnifique son. Vico, t'as monté de niveau aussi. En plus d'avoir un paquet de chips, un nom de paquet de chips, hop là. Bon. Ah, par contre, ça me saoule, c'est qu'on est sur les machins, on se fait attaquer, et je vais pas pouvoir utiliser mes sorts de mage, parce que j'ai pas les autorisations. Il va falloir s'acheter ça. Alors, sort niveau 6. Hob illusoire, c'est de la merde. Mur de l'âme, c'est bien. Que puis-je faire? Hop là. On a dit Vic en première ligne. Ça pourrait être pire. On a une espèce de nabo dégueulasse ici qui va nous attaquer. Baldur's Gate, toujours, j'ai lancé mon stream dessus, mais je débute. Et ben, du coup, tu débutes sur le 1, sur le 2, sur. Alors, toi, tu vas te ramener. Vous trois, vous allez vous rapprocher. Vico, harmonie défensive. Yoshimo, t'avais monté de niveau, j'avais même pas vu, t'as monté anecdotique. Meilleur jeu du monde à tes yeux. Mais oui, bien sûr. La trilogie en modé. Mm-hmm. Beaucoup de mods ou juste des petits trucs cosmétiques? Top. Hop. Voilà, comme ça, tu ne sers pas grand chose, mais c'est pas grave. Jaja, on avait dit que tu lançais une petite bénédiction. Est-ce que tu peux te lancer un truc de défense? T'as le niveau pour. Valigar, j'ai même pas regardé ce que t'avais comme sort. Armure de la forêt, c'est bien. Et bah, tu vas servir à que dalle parce que bah, t'as pas le droit de lancer de sort. Ouais, parce que Baldur's Gate Trilogy, je l'avais testé. Voilà, du coup, je joue sur les versions, les Enhanced Edition de Beamdog, qui apportent quelques petits avantages. Pas énormes, mais. Mais qui ramènent quand même un petit peu de confort. Ça, ça fait mal. Vic, Vic, je vais te lancer un soin. Ça reste au moins un rework du jeu et ça c'est toujours bien. Baby. Et du coup j'espère que tu es impatient pour Baldur's Gate 3. Qui a été annoncé mais qui n'est pas encore... Vas-y, de où tu m'as touché? Oh putain, on est loin, merde. J'aurais dû sauver les bébés avant ça, je pensais pas me faire attaquer directement à la sortie. C'est entendu. Oh la loose. Bon, c'est parti. Au moins, on saura qu'on se fait cueillir à froid à la sortie. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. Oh oui. Et oui, très bonne question, sur quel team vous êtes? Team. Nous sommes revenus dans notre propre... Ah putain, c'est vrai que je peux même pas me lancer mes sorts de buff juste avant parce que... Vous pouviez me porter mes forces. Je pensais bien. Fichtre. Hop. Bon, lui, on va faire les vœux tout de suite. On va en profiter. Et Tim Edwin. J'ai pris la... Attention, est-ce que tu pries l'attendre?
Où est-ce que tu pries l'attendeur? Parce que dans le 2, il y a l'attendeur, quand même. C'est un peu comme les vrais sages. Il y a l'attendeur et il y a le Millennium Condor pour les vrais fans de Star Wars. Soyez les... Mais... Révian, c'est moi, Jaira. Oui, on va pas se fighter. Je suis en fait. Je l'ai fait exprès. Je veux dire que je vais te péter la gueule là. Putain, le mage il est là-bas. Minsk, Erdrys, Yudensen. Au secours, l'attendeur. Mais oui, bien sûr, le célèbre l'attendeur. Hein. Il y a quelques trades qui sont assez marrantes. Mais du coup, c'est vrai. Vous ne connaissez pas le Millennium Condor? Bon, t'es sympa, Josette, mais. Voilà. Et merde, c'est vrai. Mais quel con. Oui, bah forcément. Oh là là. Mais quel teubé, mais teubé man. Alors comment rendre un combat compliqué? Très compliqué. Je vois aucune façon dont ça pourrait bien se passer. Bon, ça c'est fait. Mais oui, mais voilà, vas-y. Je vais mourir, vite! Un sort de bois de pierre, et voilà. Mais il est con! Mais quel con! Et ça fait au moins la deuxième ou troisième fois que je fais le coup en plus. Oui. Il est mort. Il est mort. Valigar, c'est pas le moment, arrête d'être attobé. Je sais pas si t'as remarqué, mais des gens qui veulent le tuer. Bon, toi tu vas te faire défoncer. Le mage a décidé de ne pas être là, très bien. Ce serait vraiment bien d'interrompre. Voilà, c'était pas laborieux. Il doit falloir être animé d'une volonté hors du commun pour mener une telle existence. Alors, est-ce que je me la pète ou est-ce que je dis non, mais j'ai pas eu le choix, tu sais. La vie m'a jeté dans ce grand fleuve. Je n'ai guère eu le choix au début, Viconia. Peut-être bien, mais tu en as fini depuis longtemps avec Sarvok, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui t'a poussé à continuer tes voyages? Les citoyens de la porte de Baldur t'avaient sans doute réservé un accueil chaleureux. Moi, je sais pas, je me suis réveillé dans une cellule toute pourrie. J'aurais pu rester, mais la porte de Baldur n'est probablement pas un endroit pour moi. Oui, tu es de sang divin, c'est un fabuleux héritage. Le chaos emplit ta vie du matin au soir, généré par ta puissance. Non, j'ai pas choisi de mener une vie aussi quantique, c'est un petit peu trop le bordel à mon goût. Ouais, non, tu te complais dans le chaos, admets-le. Il t'a lancé défi après défi et t'a permis de devenir plus fort. Ou prétendrais-tu que tu as préféré rester modeste et tu viens dans ton château suif, jamais pendu au basque de ton gorion? Non, je suppose que non, c'était quand même un petit peu pourri. Les chevaliers de la sphère, on n'a pas encore le temps de leur parler. Mais voilà ce que j'aime entendre. Ce langage prouve ta virilité et attise ma passion. Il me vient soudainement des images de la main d'un dieu fouettant ma peau sombre. Ok. Oui, merci, madame. Ha, un misérable jaloux qui m'a touché. Tu n'es qu'un Slurpinvale et ta faiblesse de mal me donne des frissons de dégoût. Mais moi je voulais bien. Voilà. Comment mes espoirs furent détruits. Par contre du coup... C'est peut-être les vampires qui vont arriver de taper. Non. Par contre on va faire une micro-pause pour YouTube et puis on se retrouve dans 10 secondes. Donc du coup YouTube, fais ce que tu fais avec tes vidéos. Bisous.